Dal 2018 Federcasse sostiene l'Unione delle Donne Rurali del Togo. Questa rete raggruppa oggi 189 gruppi di credito e risparmio femminili, 86 cooperative agricole e coinvolge oltre 6.000 socie. È un momento molto emozionante. Stiamo andando a fare il sopralluogo dove verrà costruita la Maison des Femmes, con la raccolta fondi avviata in dicembre con Aperitogo. Nous sommes aujourd'hui là où nous voulons construire notre maison de la femme. Je remercie vivement Federcasse pour tout ce qu'elle fait pour nous, les femmes rurales du Togo. Il nous a acheté les matériaux du bureau. Et je remercie ceux qui ont contribué pour pouvoir nous acheter ces matériaux. Deux ordinateurs, une imprimante, une photocopieuse, deux tables de bureau, deux chaises roulantes de bureau, quatre chaises de bureau, un lot de matériel d'informatique, notamment un onduleur et puis un régulateur. Je tiens sincèrement à dire un grand et sincère merci à Federcasse parce que c'est la première du genre dans la vie de l'UGFR Togo. Et je crois que depuis 2018, avec cette collaboration, ce partenariat avec Federcasse et UGFR Togo s'en sort vraiment ragaillardi et je dirais vainqueur en quelque sorte. C'est pour cela que ça me donne un bouffé d'oxygène qui me permet de continuer à travailler davantage avec cette femme-là. Je vous en prie. Je leur demande pardon de continuer de faire le levée de fonds pour nous aider à construire notre maison de la femme. Abbiamo presentato il progetto della Maison des Femmes, la nuova casa delle donne rurali del Togo, alla prefettura di Pelé, dove verrà costruita. Lo abbiamo consegnato a Madame Charity, che è la custode di questo grande sogno. Per realizzarlo serve ancora il tuo aiuto, perché la Maison non resti solo un disegno o una fila di mattoni. Nous vous disons merci. Pour les femmes rurales du Togo, i pipi, hurra! Continua a sostenere la campagna su ideaginger.it.